Après les incidents de la semaine dernière au Congrès, le député national André Kamunga serait victime des menaces de mort de la part de certains services de sécurité. À cet effet, les cadres honoraires de l'UDPS, Fédération des Mbujimayi, sont montés au créneau. Ils exigent plus de sécurité pour cet élu des Mbujimayi. Ils ont par ailleurs condamné l'agression de la RDC par les Rwandais. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par le porte-parole de ce groupe. En signe de solidarité à nos forces armées, le directeur national du parti doit peaufiner des stratégies pour une mobilisation de notre peuple, tous azimuts, en vue d'organiser une marche de colère contre le Rwanda qui vient remuer le couteau dans les plaies des Congolais et Congolaises, en soutenant les terroristes du M23. Aux autorités nationales, tant politiques que sécuritaires, de prendre des dispositions adéquates pour sauver la vie de notre honorable député national Kamunga Wamulomoyi, qui est en danger et menacé de groupes et menacé de mort par les groupes des agents de sécurité non entièrement identifié et diligenter une enquête. Au vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, nonobstant sa bonne foi de venir en rescousse à cet élu de l'UDPS, de pouvoir tous, de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour demander une enquête parlementaire en vue de dénicher les complices. Aux combattantes et combattants de l'UDPS sur toute l'étendue de la République et particulièrement ceux de Mbujimayi, d'être sur les qui-vive en vie d'en découdre avec les ennemis du peuple, tant de l'intérieur que de l'extérieur.